Pendant des années, ils se sont sentis otages de leur propre corps. Parce que leur sexe ne correspondait pas à leur genre, ils ont vécu dans le secret et la honte d'être perçus comme différents. Moi, j'avais une vie, on va dire, classique. Je dirigeais une entreprise, j'étais un homme, ouais, j'étais père de famille. Et puis, il y a quelque chose qui ne collait pas avec mon identité. On peut être un homme avec une vulve et on peut être une femme avec un pénis. Ce qu'on a dans le pantalon ne fait pas de nous une femme ou un homme. C'est dans notre caractère, c'est dans notre genre, c'est comment on se sent. En proie à un profond mal-être identitaire, il leur a fallu autant de temps et de courage pour s'accepter et oser enfin le révéler à leurs proches. Là, je me rappelle, c'est que bah, tu disais, ben, papa, maman, je vous demande pardon. Une annonce qui a souvent suscité le rejet et l'incompréhension de leur famille. On a commencé par refuser. Il faut dire ce qui est, on a commencé par dire non, c'est pas possible, tu fais pas ça, quoi. La première fois qu'il me l'a dit, je l'ai vu un peu comme un deuil, comme un deuil de mon père. J'avais 26 ans à l'époque quand il me l'a annoncé. C'est faire une croix sur les 26 ans de la personne avec qui j'ai vécu. Envers et contre tout, de manière viscérale, ils ont choisi d'opérer une transition physique et sociale pour être enfin eux-mêmes, au risque de tout perdre. Ça a été difficile. Beaucoup de moments de stress, peur de le perdre physiquement, qu'il y ait des complications. Je me dis, mais est-ce que transitionner, est-ce que ça a le prix d'une vie ? S'ils ont su franchir les obstacles un à un, ils se heurtent toujours au regard d'une société qui ne veut pas voir ces minorités et les discrimine au quotidien. J'ai le souvenir qu'on m'ait refusé de m'encaisser dans une épicerie parce qu'on ne sert pas les gens comme vous. On m'a déjà demandé de me mettre nu pour vérifier ce que j'avais entre les jambes. Je suis parti à la rencontre de ceux qui ont choisi de remettre en question le genre, de casser les codes non seulement pour eux, mais aussi pour les autres. En ne faisant plus de la transidentité un problème, en se rendant visible, ils militent pour une société plus ouverte et plus tolérante. On doit être fier d'être transgenre. On est unique. Qui peut dire qu'un jour il est né dans un genre et hop, il est passé dans l'autre ? Personne. On a cette richesse de dire, voilà, nous on connaît les deux genres et on n'a pas peur de les assumer. On est comme tout le monde. On est comme tout le monde, oui. Non, on est mieux. On est mieux. Oui, allô ? Oui, bonjour. D'accord. Non, mais je comprends, hein. On a eu vraiment des moments comme ça aussi, hein. C'est difficile pour tout le monde. Notre garçon a été assigné fille à la naissance. Il se trouve qu'en fait, il a commencé à nous en parler lorsqu'il avait presque 18 ans. Donc, je veux dire, sa puberté était faite depuis bien longtemps. Donc, nous, on était déjà dans une situation où il fallait passer par les chirurgies et enlever les seins et enlever... Il y a encore 5 ans, Sylvie ignorait tout de la transidentité. Si elle vient régulièrement en aide aux parents d'enfants transgenres, c'est parce qu'elle-même s'est retrouvée démunie il y a quelques années face à son fils Étienne, né petite fille, et aujourd'hui en pleine transition pour changer de genre. Moi, je conseille de l'accompagner, votre fils, chez le psychiatre, et de réfléchir ensemble à quelle est la meilleure solution pour lui. Il a pareil, hein, cheveux courts déjà. Pour Sylvie et son mari Christian, le processus de transition de leur enfant a été une épreuve douloureuse qu'ils ont mis du temps à accepter. Je me souviens qu'à 4 ans, il n'allait pas à l'école si je lui mettais une robe. Ça, c'est... Moi, j'ai ce chiffre de 4 ans, là, en tête. Ce qu'il préférait mettre, c'était le vieux jogging du petit voisin, là, qui... Il adorait ça, alors que moi, j'avais envie de lui mettre des petites robes. Oh, ben, regarde, là. Un garçon, là. Ouais, ouais. Un garçon. Nous, on élevait une petite fille, hein. On avait une petite fille. On ne s'est pas aperçu de tout ça.
Est-ce qu'on aurait pu s'en rendre compte déjà? Après, non, parce qu'on ne savait même facile. Pas que ça existait, le... changer de genre. Regarde les deux, c'est un garçon. Ouais. Étienne, aujourd'hui, n'était pas Étienne hier, puisque je vous regardais feuilleter cet album de photos. Comment est-ce que vous gérez ça, en fait, justement, l'avant, l'après? Moi, je trouve que quand on regarde les photos, le avant et après, c'est qu'on a quand même bien fait les choses. Mm-hmm. C'est qu'on a quand même bien géré toute cette histoire, cette aventure. Ouais, puis je crois que tous les parents, sortis, quoi, hein. Quand ils regardent les photos de leur enfant fiers, petit, voilà. Plus personne n'a le même enfant grand voilà. Qu'il avait un enfant petit. Donc tout le monde a un cheminement à faire. Mm-hmm. Ben voilà, avant, on avait une fille, cette relation père-fille qui était quand même géniale. Moi, j'étais super heureux d'avoir une fille. Et puis, ben voilà, ben, y a un deuil aussi à faire, quoi. Mm-hmm. Justement, parce que le deuil, ce mot, ouais. Il est très fort. Ouais, oui. C'est faire le deuil de la petite fille. Oui. Comment vous gérez ça, en fait? Eh ben, on s'est fait aider. Hein. On est allé voir une psy. Voilà, je veux dire, c'est un cheminement. Hein. Je veux dire, donc, au fur et à mesure, et ben oui, on s'est intéressé. Ben non, c'est pas une honte. Ben non, c'est pas... voilà. Et puis, surtout, ben, quand on voit Étienne aujourd'hui, même nos amis le disent, à un moment donné, ils voyaient aussi qu'Étienne n'allait pas bien. Quel enfant, justement, était Étienne? Est-ce que... Alors, c'était un enfant compliqué. C'était un enfant qui n'était pas comme les autres enfants, qui était toujours à l'écart, qui n'avait pas d'amis, qui ne rentrait pas dans le moule, qui n'avait pas les codes, qui ne savait pas comment faire avec les autres. Il avait un problème de relationnel, hein, ouais, ça c'est ouais. Clair. Il nous interroge, en fait, depuis qu'il est petit, vraiment. Ouais. On a fait le maximum pour qu'il rentre dans le moule, en fait, voilà. Pour qu'il soit comme les autres. On l'a fait comme ça parce qu'on a aussi eu une certaine éducation. Ouais. Je veux dire, tout ça, c'est quelque chose qu'on transporte avec nous, qu'on trimballe. C'était nos outils à nous. Bien sûr. Ouais. C'est sûr que maintenant, l'éducation est beaucoup moins genrée qu'il y a 20 ans. Quoi. À 20 ans, enfin, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y avait des habits filles-filles, des habits garçons-garçons. Il n'y avait pas d'habits pour les deux. Les jeux, c'était pareil. Les livres, c'était la famille. Un papa, une maman, un garçon, une fille, un chat, un chien. Maintenant, c'est autrement. Tu te rappelles, tu parlais d'habits. Quand vous faisiez des courses, tu aimais bien faire des courses. Faire des courses. C'était source de conflit tout le temps, voilà. Parce que Étienne, il voulait des habits de garçon, il voulait acheter au rayon garçon des grands Superman et puis des grands Harry Potter. Et moi, je détestais ça, quoi. Je pense qu'on a quand même un regret tous les deux, c'est que aujourd'hui, si c'était à refaire, on ferait différemment. Quand je dis on a un regret, c'est que quelque part, eh ben. Ouais, on n'aurait pas eu la même attitude, parce qu'on a bien remarqué à un moment donné que Étienne, il n'était pas heureux dans sa peau. On a mis ça sur le dos un petit peu de son côté difficulté scolaire, ouais. Le fait qu'il soit dyspraxique et tout ça. Ouais. Donc on a mis beaucoup de choses là-dessus. Moi, c'est Étienne Léonard. Je vais sur mes 23 ans aujourd'hui. Je fais une formation d'aide-soignant en apprentissage. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé le traitement hormonal. Je ne renie pas ce que j'étais avant. Ça fait partie de mon vécu et c'est ce qui m'a aidé à me construire maintenant. Et voilà, je suis heureux et épanoui dans ma nouvelle vie. Étienne, l'enfance est une période où on se construit. Vous étiez dans le corps d'une fille. Je l'ai su assez tôt, peut-être vers 7-8 ans, mais je pense que je n'avais pas vraiment de mots pour mettre ça. Avec les filles, je ne savais pas trop comment me comporter. Elles jouaient au Polly Pocket, elles portaient du rose, et c'était pour moi un monde totalement étranger, totalement... je ne sais pas, j'arrivais pas. Moi, j'aimais bien faire des cabanes avec les garçons, jouer à la guerre, entre guillemets, à faire avec nos faux fusils en bois comme ça, mm-hmm. Vers l'adolescence. Je me souviens que mes parents chantaient qu'ils me forçaient un peu à être féminine. Mais moi aussi, vu que je savais pas trop ce que j'étais, je me cherchais beaucoup. J'étais très dépressive, j'étais vraiment pas bien du tout. Je me scarifiais, j'avais des périodes de boulimie aussi, très importantes, des tocs verbaux. Je pense que mon corps mettait ça en place pour dire que j'étais pas bien. Ce qui m'a empêché de mettre fin à mes jours, je vais le dire clairement, c'est parce qu'il y aurait eu mon ancien prénom marqué sur la tombe et ça, je l'aurais, je pense, jamais accepté.
autour de vos 14 ans. Vous commencez à avoir de la poitrine, je crois. C'était très, très dur pour moi parce que ma poitrine était assez développée, assez volumineuse. Donc, je faisais tout pour la cacher et j'avais commencé à avoir une tendance de vraiment me voûter en avant. Donc, j'étais vraiment comme ça. Du coup, les gens souvent me disaient « bonjour jeune homme » ou « bonjour monsieur », donc j'étais content. Puis après, j'ai su l'existence des binders, donc c'est comme un gilet, en fait, où, pour comprimer la poitrine. Donc c'est notamment pour les personnes trans masculines. Et du coup, j'ai négocié, j'ai un peu menti à mes parents pour qu'on puisse m'en acheter une. Mais ce corps qui change, sûrement la venue de vos règles à un moment. Comment est-ce que vous viviez ça? Ça me traumatisait, ça me répugnait même. Il y avait des moments où je faisais semblant de me doucher. Il y avait parfois 2-3 semaines où je ne me douchais pas. Parce que du coup, je me voyais nu et ça me répugnait. Et ça me rappelait que j'étais née dans ce corps qui me dégoûtait, en fait. Complètement. Donc ça, c'est une tourte vigneronne. Et comme on a un vegan aussi dans la maison, j'ai aussi fait des lasagnes végétariennes. Donc chez nous, c'est aussi la diversité dans les repas. Il est vegan. Oui. D'accord. Mange pas de viande, pas de poisson. Ouais. Ah oui, oui. Donc on fait un peu pour tout le monde. Il y a toujours un plat de viande et il y a toujours un plat de légumes. Voilà. Conscient du mal-être grandissant de leur enfant, à l'adolescence, Sylvie et Christian proposent à Étienne de voir une psychologue. Pour la première fois, Étienne s'ouvre enfin et réalise qu'il ne vit pas dans le bon corps, celui qu'on lui a assigné à la naissance. À l'aube de ses 18 ans, il avoue à ses parents sa véritable identité de genre. Il est un homme, il désire entamer une transition physique et médicale. On a commencé par refuser. Il faut dire ce qui est, on a commencé par dire non, c'est pas possible, tu fais pas ça, quoi. Ouais. Pas comme ça du jour au lendemain, parce que sa demande, c'était, maintenant je vous l'ai dit, maintenant je veux prendre des hormones, je veux changer tout ça, etc. quoi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à émerger un peu de l'effet de surprise, après l'effet de surprise, notre réaction concertée à toutes les deux, on a mis des conditions en fait. On lui a dit tu termines ses études, tu fais ton CAP, tu te trouves un boulot, tu te trouves un appart, et après si tu veux, tu fais ça. Si c'est ton projet de vie, tu le fais, mais tu le fais pas sous notre toit. Parce que nous, on ne se sentait pas capable de vivre ça, en fait, d'accompagner. Au départ, on ne se sentait pas prêt d'accompagner ce changement, en fait. Ça me paraissait trop difficile pour moi. Et puis aussi, c'est qu'entre-temps, on avait vu aussi sur Internet que c'est les opérations et tout ça, c'était quand même... Il mutilait, entre guillemets, son corps. Donc pour nous, c'était doucement... C'est une prise de décision trop rapide. Nous, on pensait que c'était... on ne va pas dire une lubie, mais que c'était... Une période, la fin de son adolescence, on va dire. Vous aviez peur qu'il se trompe. Qu'il se trompe, voilà, oui. Tout à fait. Ouais. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que nous, on a aussi vu le changement d'Étienne. C'est que du jour au lendemain, il a commencé à prendre sa vie en main. Étienne a rempli toutes les conditions. C'est-à-dire, il a fait son CAP, il a trouvé un boulot, et le premier jour de son premier boulot, il a eu sa première injection d'hormones. Tu te souviens, oui, ça? Oui. Alors, venons-en à l'ablation de la poitrine qu'on appelle... La mastectomie. La mastectomie. Oui. On est parti 4 jours à Lyon. Ouais. Alors que ça, c'est pareil, on ne voulait pas le faire. Notre première idée, c'était de... Débrouille-toi. Et finalement, on a réussi à y aller. On voulait être présent parce que c'était aussi pour lui montrer que petit à petit, on faisait aussi notre chemin, malgré le fait qu'on n'allait pas forcément aussi vite que lui il le souhaitait. Oui, mais alors là, j'aimerais savoir, quel est votre avis là-dessus? Je ne pensais pas qu'ils allaient venir... Moi, j'avais déjà dégoté des amis à moi trans pour faire ce chemin-là avec moi. Et au final, à mon grand étonnement, ils sont venus, quoi. Je suis reconnaissant envers mes parents, bon, même si ça n'a pas été tout de suite comme je l'aurais voulu et j'aurais bien aimé, même encore maintenant. On ne peut pas refaire les choses, hein, mais oui, je pense que c'est important d'avoir ses parents auprès de toi pendant une transition. Le fait que vous ayez accompagné votre enfant durant toutes ces étapes de sa transition, est-ce à dire que vous acceptiez l'idée qu'il était un homme ou vous étiez dans votre rôle de parent? Parce qu'entre accompagner son enfant et accepter qu'il est un garçon, il y a
il y a une différence. Moi, je pense qu'on faisait un petit peu la navette, mais au fur et à mesure, on a quand même basculé petit à petit. Pas assez vite à son avis, à son goût. Hein. On a quand même basculé en disant, bon, bah, aujourd'hui, bah, ouais, c'est notre garçon, hein. c'est notre grand, hein. C'est notre fiston. Quoi. C'est mon fiston, c'est comme ça, hein, Étienne. Ouais. Et il a fallu décider, à un moment donné, il a fallu se dire, bon, maintenant, on fait l'effort de l'appeler par son prénom masculin et on dit il. Parce que c'était ça au début, faire l'effort de changer nos habitudes. Ouais, mais de temps en temps, on se trompe encore. De temps en temps, on se trompe encore. De moins en moins souvent, mais on se trompe encore. Trop, encore trop pour toi, on sait. Pas trop qui vient. Ah oui, c'est la question que j'allais te poser alors. Oui, parce que comment ça se passe alors? Enfin, c'est la surprise. Bah, normalement, on attend 150, peut-être 200, j'en sais rien. On leur dit qu'on ne peut pas recevoir 700 personnes. C'est... Emma a annoncé à 60 ans à sa femme et à ses enfants qu'elle s'était toujours sentie femme. Depuis, cette ancienne chef d'entreprise dans le bâtiment a opéré un changement de vie radical. Outre sa transition physique, elle s'apprête à ouvrir le premier restaurant transgenre de France. La jeune fille qui est arrivée, là, c'est... C'est la cuisinière des Brésiliennes, qui vient nous prêter main forte pour en cuisine. À quelques heures de son inauguration, elle espère que ce lieu devienne un espace d'échange pour normaliser la transidentité. On veut surtout que ce soit un endroit très ouvert. On ne revendique pas, mais on ne cache pas non plus qui nous sommes. Ce qu'on veut, c'est habituer les gens à nous considérer comme des gens comme tout le monde, en fait, même si on a une histoire un peu à part, un peu différente. Voilà, c'est habituer à faire, en fait, à mélanger, on va dire, le monde standard, si on peut dire, et la population trans en général. Vous auriez imaginé, il y a quelques années, que vous ouvririez un jour un restaurant tenu par des transgenres Non, pas du tout. Comme celui-ci? Non, absolument pas. Moi, j'avais une vie, on va dire, classique. Je dirigeais une entreprise, j'étais un homme. Ouais. Père de famille? Père de famille. Et puis, la différence, c'est que, évidemment, dans un coin de ma tête, ça trottait depuis bien longtemps. Il y a quelque chose qui ne collait pas avec mon identité. Et puis, contrairement à ce que je pensais, j'ai osé enfin briser le secret et puis me libérer. Quelque part, je me mentais un peu à moi-même. Pendant 10 dernières années, je ne me rendais pas compte. Je partais dans une direction, en fait, en faisant semblant de ne pas voir où j'allais, quelque part. Pourquoi? Parce que c'était trop énorme? Oui, parce que c'était trop énorme, parce que ça fait peur, ça, on est inquiète. Moi, j'avais le sentiment que finalement, c'est un peu un destin auquel on ne peut pas échapper. Enfin, là, il y a une direction dans laquelle on va et puis il ne faut pas s'opposer en fait, au mouvement parce que c'est en vous. Quoi. C'est quelque chose qu'il faut absolument réaliser. Quoi. Emma est de cette génération où personne n'abordait le sujet de la transidentité. Pourtant, dès l'âge de 8 ans, elle réalise qu'elle est en réalité une fille. Parce qu'elle a honte de ce qu'elle ressent, elle commence à emprunter les vêtements de sa mère pour se travestir en cachette. Dès que j'avais un moment de liberté, dès que je pouvais m'isoler, je le faisais. Enfin, j'avais besoin de ce moment-là, j'avais besoin absolument de me changer et puis d'être l'autre. Ouais. Voilà. Mais quelle sensation alors? Parce que... C'est une sensation de bien-être, tout simplement. De bien-être. C'est une sensation de bien-être. Et puis, ce qui est curieux, c'est que je ne me posais pas trop de questions, à vrai dire, là-dessus. Ça me perturbait pas plus que ça. Voilà. J'imaginais pas deux secondes que ça puisse se transformer. Quand j'étais jeune, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait rien, on n'avait pas accès aux informations comme aujourd'hui.
D'ailleurs, on ne parlait même pas de transidentité, on parlait des transsexuels. Ouais. Et puis, c'était rangé dans la case travaux, ouais. Prostitution, etc. Donc, une image négative aussi qui était lourde. C'est pas mon image, ça me correspond pas, c'est pas ce que je suis. Et on a du mal à se détacher de ça parce qu'il y avait rien d'autre de visible. À 23 ans, Emma se marie et devient père de 3 enfants. Pendant plus de 30 ans, elle parvient à cacher sa double personnalité à ses proches grâce à des escapades qu'elle s'autorise pendant les vacances de sa femme et de ses enfants. Moi, j'ai eu l'impression de vivre pendant toute ma vie d'être deux personnes en même temps, d'être une sorte de fusion de deux personnes. Et que de temps en temps, je laissais vivre l'autre par petites bribes, comme ça. J'avais ma garde-robe bien planquée dans un coin. Enfin, je faisais ma petite vie toute seule. Et puis, je m'en suis accommodé pendant des années. Parce que le poids de la honte et puis la peur également, de bousculer sa vie, m'a empêché d'aller plus loin. Quoi. Vous parlez de ces escapades-là, de sortir seul. Oui, moi j'avais surtout besoin de sortir, de le vivre vraiment, c'est-à-dire de ne pas être simplement enfermé entre quatre murs et dans son miroir. J'avais besoin de sortir, j'avais besoin de me confronter au réel. Au regard des autres. Au regard des autres, même s'ils me faisaient peur, parce que les premières sorties où je sortais tardivement en pleine nuit, ce qui est d'ailleurs... idiot parce que c'est très dangereux. Ouais. Mais bien souvent, c'était la peur qui dominait. Je n'arrivais même pas à sortir. C'est que je mettais un temps fou à me changer, à me maquiller. Et puis, je mettais du temps. J'avais conscience, par contre, que je faisais finalement un peu exprès de prendre trop de temps pour ne plus avoir le temps de sortir. Ouais. Et du coup, je me rechangeais à nouveau. Et puis voilà, sans être sorti. Quoi. Mmh, mmh. Même dans les réunions de famille, je me disais, bah, s'ils savaient qui je suis réellement. Qu'est-ce qui vous a définitivement fait basculer et vers la décision du coming out? Il y a peut-être une chose qui a joué, c'est que à 57 ans, je me souviens parfaitement d'une journée, un samedi, où je suis sorti seul, comme d'habitude, dans Paris, et puis je suis revenu, et là, je me suis dit, j'en ai marre, j'en peux plus, il faut que je reprenne le contrôle de ma vie et que je puisse enfin vivre normalement comme vivent tout le monde. Enfin, donc là, j'ai mis 2-3 jours avant d'avoir le courage de prendre mon téléphone, prendre rendez-vous avec une endocrino, avec une psy également, pour vérifier que j'étais pas complètement, que j'avais pas perdu la tête. Ouais. Et là, ça a été vraiment le début d'une nouvelle vie. Tu vois, juste enlever les noyaux de ça. Pour réaliser sa transition physique et sociale, Emma a dû révéler son secret à ses proches en commençant par sa femme et ses enfants. Ah, c'est toi et moi. Ouais. On avait une belle tête, hein, dis donc. En 2008. Ouais, il y a 12 ans. Une confidence qui a bouleversé les relations filiales, mais qui a finalement été comprise et acceptée de tous. Comme avec sa fille, Camille. En fait, j'avais remarqué qu'il commençait à s'épiler les bras et les jambes. Mm-hmm. Je me suis dit, peut-être qu'il est gay, mais j'étais vraiment à des années-lumière de penser que c'était un changement de genre et qu'il voulait devenir une femme. Alors, je suis un peu tombée des nues quand il me l'a dit. Et d'ailleurs, ma première réaction, c'était d'être dans le déni. Je voulais pas qu'on en parle pendant 2 semaines. Comment s'est-il pris pour vous annoncer tout ça? Il est venu vers moi et il m'a dit écoute ma fille, il faut que je te dise quelque chose. Je me sens femme. Je me suis toujours sentie femme. Et moi, je l'ai pris comme un hobby. Je me suis dit mais pourquoi il me raconte ça? Et le lendemain, je me suis dit mais il faut que je me pince. Je ne comprends pas ce qu'il m'a raconté. Ça a dû vous troubler quand même. Ça m'a troublée. Je sentais que derrière le secret, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Et quelque part, je ne voulais pas trop fouiller. Ça me dérangeait un peu, ça me perturbait. Mmh. Et la première fois qu'il me l'a dit, je l'ai vu un peu comme un deuil, comme un deuil de mon père. Et je suis désolée de dire ça pour les personnes qui ont vraiment perdu quelqu'un. C'est incomparable. Mais j'avais 26 ans à l'époque quand il me l'a annoncé. C'est faire une croix sur les 26 ans de la personne avec qui j'ai vécu. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, il va falloir que je fasse le deuil de cette personne-là pour accueillir une nouvelle personne.
Et ça m'embêtait un peu, j'aimais bien le côté paternel, le côté viril de mon papa, et j'avais pas trop envie d'avoir une femme en plus dans ma vie. Mmh. Et maintenant je comprends que c'est comme une renaissance et que ça n'a rien à voir avec un deuil, et qu'au contraire, je le connais mieux maintenant. Avant, on était moins proches. Mon père travaillait beaucoup, je le voyais pas souvent à la maison. On s'entendait bien, mais il n'y avait pas vraiment de complicité. Je ne parlais pas trop de ma vie, comme il ne parlait pas trop de sa vie. Il y avait un côté très, très mystérieux dans la famille. Chacun faisait sa vie et on n'échangeait pas tant que ça. À aucun moment, vous ne lui en voulez ? Je lui en veux pas, mais je me sens quelque part quand même un peu trahi. Enfin, trahi, le mot est fort. Mais comme si j'avais vécu dans le mensonge toutes ces années. Mmh. Et qu'on me mentait, qu'il ne me disait pas qui il était vraiment, que derrière il y avait peut-être des activités, que c'est, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il rentrait tard, mais j'imagine que du coup il y avait une seconde vie. Il y a tout un équilibre qui est déstabilisé à ce moment-là. Ouais. Et personnellement, mon papa, je l'aime à la folie, et je me suis dit, si je l'aime, il faut que je l'accepte, et voir qu'il est heureux que je l'accepte, ça me rend heureuse aussi. Et en fait, je pense qu'on s'est tous dit, on a compris que c'était rien de grave et que c'était déjà douloureux pour lui de nous le révéler. Il était stressé. J'en parle là, je ne suis pas forcément à l'aise d'en parler. C'est difficile aussi d'en parler publiquement. Mais c'est important de le faire parce que je me dis, s'il y a d'autres enfants de transgenres comme moi, peut-être qu'en regardant ce reportage, ils comprendront que tout va aller bien et qu'il faut juste une question de temps et que rien n'est grave. Il faut juste avoir un peu d'ouverture. Mm-hmm. Natéo a trouvé le courage d'opérer une transition physique à l'âge de 40 ans grâce au soutien indéfectible de sa compagne Magali. Avec elle, il a trouvé l'écoute et l'appui qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ça va, t'as bien dormi ? Ça va, oui. Tu fais ton petit café ? Ben oui, comme d'hab. J'ai déjà sorti le chien. Ah d'accord. Ça va ? Natéo et Magali se sont rencontrés à 20 ans lorsque Natéo était encore socialement et physiquement une femme. Bien qu'elle soit hétérosexuelle, Magali tombe amoureuse de Natéo et ensemble, elles ont une relation homosexuelle pendant plus de 15 ans. De leur union naît Esteban, un petit garçon conçu par PMA. Il s'était présenté à moi comme un jeune homme. Moi, innocente, voilà. Je ne faisais pas forcément attention au physique. C'est vrai qu'il avait un look masculin, il avait des chaussures de garçon, il avait un jeans, chemise, voilà. Puis après, tout le monde de la famille, ouais, mais tu sais, c'est une fille. Puis je dis, quoi, on a discuté ensemble, on s'entend bien, on a raconté un peu nos vies, on a fait connaissance, quoi. Et voilà, et puis, il y a eu un petit bisou, et puis, voilà. Et puis la relation a continué. Beaucoup de stress pour moi parce que je n'étais pas du tout attirée par les filles. Mais bon, pour moi, ça n'était pas vraiment une. Et puis je me suis dit, écoute, t'es bien avec elle, continue l'aventure et tu verras si ça marche ou pas, si ça fonctionne. Si... Mais ça a fonctionné. Hein. Ça a fonctionné. Les sentiments étaient vrais et c'est vraiment ça. Il me prenait tel que j'étais et je l'ai pris tel qu'il était. Et du coup, voilà, ça a continué depuis 26 ans déjà. Ouais. On parlait pas du fait qu'il était fille ou garçon. Quand on était à deux dans son appart, c'était, pour moi, c'était un homme. Et je jouais la comédie quand on était à l'extérieur. Donc voilà, j'essayais. C'est-à-dire la comédie ? La comédie, c'est que j'essayais. Le couple homosexuel, voilà. Classique, lesbienne, voilà. Pourquoi ça ? Parce que c'est comme ça que les gens nous voyaient et. On était deux femmes. Voilà. Ça a pris beaucoup de temps à jouer avec les copains. J'essayais de me dire, mais t'inquiète pas, une fois qu'on va rentrer à la maison, ça va être fini tout ça, cette comédie, je pourrais redevenir moi. Mais notre relation a été faite de moments de dépression aussi, hein. Ça, elle pourra pas la tester, j'ai jamais été bien, quoi. Donc c'était compliqué pour elle à vivre aussi au quotidien. Des hauts et des bas pendant 10 ans, 10, ouais. 15 ans. Ça a eu un impact sur votre physique ? Oui, ouais. Énorme. Là, je pense que lorsque tu m'as connu, j'étais sportive, je pesais quoi, une soixantaine de kilos, un truc comme ça. Ouais. Et je suis montée à. Enfin, j'ai pris 60 kilos, quoi. Donc, on dit que l'amour fait grossir, mais là, c'était pire que ça. Là, c'était. Non, c'était. Oui, c'était le fait.
bah, de me cacher. Alors, si je ne pouvais pas me cacher voilà, avec des vêtements, ce que je faisais déjà, bah, je me cachais sous les kilos. Hein. Autant faire ça, quoi. Mm-hmm. Et puis, de toute façon, ce corps, il ne représentait rien pour moi. Donc, Le poids physique et le poids moral, ils étaient liés. Ils étaient liés. Vous avez envisagé à un moment cette transition Non. Non, on vivait comme ça et pour moi, on était heureux. On n'en a quasiment pas parlé pendant 15 ans. Et puis un jour, il m'en a parlé, il m'a dit ça ne va pas, je ne peux plus continuer. Et puis je me dis, mais de quoi il parle? Il a un peu, c'est la crise de la quarantaine. Mm-hmm. Puis il m'a dit, il faut que je change de sexe, etc. Je dois me sauver moi, quitte à vous perdre, mais je ne peux plus continuer à vivre dans le corps que j'ai. Et moi, ça a été l'effondrement. Je me suis dit, mais je n'ai pas envie de vivre avec une autre personne. Je t'aime, toi, tel que tu es. J'avais peur qu'il soit plus différent dans sa tête, sa façon de voir les choses. Et après, je me suis dit, je ne peux pas l'empêcher d'être qui il est et d'être heureux. Donc, voilà. Ça a été difficile, la première année. Mmh. Beaucoup de moments de stress, peur de le perdre physiquement, qu'il y ait des complications. Je me dis, mais est-ce que transitionner, est-ce que ça a le prix d'une vie ? Mais pour Nathéo, qui a toujours ressenti un profond mal-être depuis l'enfance, vivre dans le corps d'un homme était une question de survie. Je me suis toujours senti dans le mauvais genre. Ce genre que l'on m'a assigné à la naissance et qui ne m'a jamais correspondu. Depuis tout petit, je me sentais un petit garçon. Un peu différent des autres, certes, mais j'étais un petit garçon. À l'adolescence, je me suis retrouvé avec un corps qui changeait, qui ne me correspondait pas. Il m'était impossible de me voir dans une glace. Que l'on me touche, que l'on me regarde, je n'imaginais pas d'avenir avec ce corps féminin. Incompris par sa famille, Nathéo a dû apprendre seul à survivre dans un corps qu'il ne supportait pas. Je me souviens, c'est quelque chose que ma grand-mère me racontait souvent. Elle me disait... À chaque Saint-Nicolas, à chaque anniversaire, tu écrivais toujours la même lettre. C'était, est-ce qu'on va enfin m'offrir le cadeau d'être le petit garçon que je devais être, en fait. Donc je pense que j'avais déjà conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas, enfin qui était en décalage. Est-ce qu'on vous prenait pour ce qu'on appelle un garçon manqué À l'époque, ça se disait beaucoup. Maintenant, on n'emploie plus ce terme, mais je trouve qu'il a tout son sens, en tout cas pour moi, parce qu'effectivement, je me sentais un garçon qui avait été manqué, effectivement. À partir de quel âge vous réalisez que... Je pense que j'étais très petit, ouais, je pense qu'à 5-6 ans, parce que chez mes grands-parents, je ne répondais pas à mon prénom de naissance, donc j'avais choisi un autre prénom. Je ne répondais pas au pronom féminin. Et alors, souvent, quand je voulais l'exprimer, on me disait que ça allait passer, qu'après ça allait aller. Donc je trouvais qu'on était un peu... qu'on balayait ce que je ressentais, donc moi, je n'osais plus en parler. Je sais que des souvenirs que j'ai souvent pleuré. Ouais. Alors ce corps, quand vous devenez adolescent, oui. Quel rapport vous entretenez à ce corps? Parce que le corps se transforme à ce moment-là. Oui, le corps se transforme. Ces fameuses petites hormones commencent à faire leur travail. Alors évidemment, là on est face à la réalité, là on ne peut plus vivre dans le déni. Hein. Là, ça nous tombe comme une grosse claque dans la figure. Et là, c'est violent, c'est vraiment violent. À 18 ans, vous vous sentiez très mal. Est-ce qu'il vous est passé par la tête que tout ça ne pourrait pas durer? Moi, tout ce que je voulais vivre, c'était des moments présents. Je voulais m'éclater pour oublier que ça existait, que j'existais, que ce corps existait, que ce genre qu'on m'avait assigné existait. Je voulais... c'est une manière comme une autre de se foutre en l'air, quoi, soyons clairs. Hein. Enfin, j'ai touché à des substances qui pouvaient m'exploser la tête. Quand c'était des soirées, souvent, je buvais beaucoup. J'ai tout fait pour oublier tout ce qui était possible, inimaginable. Et je pense que si j'avais pas rencontré ma femme à 21 ans, je pense que je serais pas là en train de vous parler. Ça, c'est certain. Magali, qui est infirmière de formation, s'est beaucoup inquiétée des douleurs et des complications qu'engendrent les très lourdes opérations de changement de sexe. Mais malgré ses réticences, après plusieurs mois de réflexion,
Elle a fait le choix d'accompagner son mari à chaque étape de sa transition. J'ai été à tous ses rendez-vous, donc chez le professeur Monstré. Je pense que nous y sommes là. Voilà. Le responsable du service et qui fait que des phalloplasties depuis beaucoup d'années. D'accord. Beaucoup d'années. Oups. Voilà. Professeur Spinois, bonjour. Bonjour, professeur. Professeur Spinois, urologue à l'équipe de Gand. Enchanté. Voilà, qui a eu, où j'ai plutôt eu la chance d'être suivi par vous. Merci. Pour tout ce qui est le suivi de réassignation sexuelle. En 2015, Nathéo entame ce qu'on appelle la réassignation sexuelle, c'est-à-dire un ensemble d'opérations chirurgicales permettant d'obtenir l'apparence du sexe opposé. Suivi par le professeur Spinois, il a fini sa transition par une phalloplastie, une opération très lourde de greffe d'un pénis. En fait, le professeur Spinois m'a suivi principalement pour tout ce qui touche aux implants érectiles que l'on pose après ou pas. Ça, c'est un choix, si je puis dire, avec les conséquences bonnes ou mauvaises qu'il peut y avoir par rapport à la pose de ces implants. D'accord. Est-ce que la prise d'hormones est la première étape, en fait, dans la transition ? Oui, en tout cas, ça a été ma première étape à moi, tout à fait. Donc, ça a été la prise d'hormones avec tous ces changements physiques qu'il peut y avoir et également les changements au point de vue génital qui se passent avec la prise d'hormones. Quel changement corporel ça a opéré sur vous, la prise d'hormones ? Alors, bien d'abord, il y a la mue de la voix. Il y a la pilosité que j'espérais un peu plus développée, mais qui ne s'est pas vraiment développée. Mmh. Il y a tout ce qui est musculation qui s'est développée. J'ai commencé à avoir des masses graisseuses qui étaient typiquement masculines, donc au niveau du ventre, etc. J'ai perdu quelques cheveux aussi. Mmh. Je n'ai pas grandi. Et au point de vue tout ce qui est génital, donc il y a les parties génitales qui se développent également. Donc ce qui est, on appelle le clitoris, qui est purement féminin, grandit et se grossit dû à cette prise d'hormones et devient ce que nous on appelle dans la communauté un déclic ou un micropénis. Voilà. Quelle a été la première opération donc que vous avez décidé de faire ? Moi, c'était la torsoplastie, donc c'est la construction d'un torse. Et donc quand je me suis réveillé, c'était assez particulier parce que je me souviens, l'infirmière est arrivée et elle m'a dit ben voilà, vous pouvez vous lever, vous pouvez aller vous brosser les dents. Et je dis ok, ça va, donc vous pouvez faire votre toilette. Donc voilà. Et machinalement, je me souviens très bien, j'ai mis ce dentifrice sur ma brosse à dents et j'ai fait ça. Puis je me suis dit mais t'es con en fait. Mais non, tu peux vraiment te rapprocher de toi maintenant. Donc cette image au corps était complètement changée et je me suis dit waouh. Et la première fois que j'ai pu mettre un t-shirt, alors là, c'est. Je sais même pas expliquer. C'est jouissif, c'est libérateur, c'est voilà, j'étais heureux quoi. Donc ensuite vous avez fait quoi ? J'ai pris rendez-vous avec l'équipe de chirurgiens qui proposait les réassignations. Mais il faut se rendre compte que cette opération, ça reste une greffe avec les tenants et aboutissants de cette greffe. Donc effectivement on va pouvoir, si tout va bien, uriner debout, on va pouvoir avoir une sexualité épanouissante parce qu'on garde nos sensations, etc. Mais il y a quand même un facteur de risque qu'on doit prendre en compte parce qu'il y a deux zones de greffe. Le corps ne réagit pas toujours de la même façon, donc il y a vraiment des risques importants de nécrose, de sténose et tout ça, mais que le professeur peut vous expliquer mieux que moi. C'est une chirurgie qui reste très lourde, parce que finalement, en quelques heures de chirurgie, on fait ce que la nature fait autrement en 9 mois. Donc il ne faut quand même pas sous-estimer l'impact de ça. Il y a énormément de complications. Ça restera toujours une phalloplastie, donc de la peau, il n'y aura jamais, par exemple, d'érection naturelle. Ouais. Donc ça reste une greffe, hein. C'est quelque chose qui peut avoir des très beaux résultats, mais qui reste... Jamais un vrai pénis, c'est très important à savoir. Il y a beaucoup de personnes transgenres qui entament ces opérations ici en Belgique chaque année. Oui, de plus en plus, et surtout depuis quelques années, là depuis 4 à 5 ans, ça a vraiment explosé. Et donc on voit de plus en plus de jeunes qui jusqu'à présent probablement n'osaient pas dire qu'ils étaient transgenres et qui viennent se consulter, demander des informations à Gand. Donc autant il y a quelques années, on était à une 50-60 de personnes par année, là cette année-ci, on est à plus de 300-350. Bonjour, on va encore attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive. Je remercie comme à chaque fois Karen, merci Karen, qui nous prête ce très bel espace gracieusement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de transphobie. La transphobie, qu'est-ce que c'est ?
c'est un ensemble de termes, d'idées, de comportements qui entraînent une inégalité. Et plutôt que vous montrer des messages que j'ai pu recevoir pour vous parler de tout ça, j'ai décidé de m'appuyer sur le cinéma. Si vous voulez, on a un personnage. C'est dans ce bar féministe et militant que Lexi donne régulièrement des conférences autour de la transidentité. Un moyen pour elle de combattre les discriminations et de rendre visible la communauté transgenre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Est-ce que tu as des exemples de films qui véhiculent un message positif ? Moi, je pense à Almodovar, mais ça fait trop longtemps que je l'ai vu, donc j'ai plus le regard neuf là-dessus. Moi, ce que j'ai aimé avec Almodovar, c'est qu'il en fait un non-sujet, en fait. Et elles vont humilier. Née il y a 26 ans dans le corps d'un homme, Lexi a entamé il y a 5 ans une transition sociale en changeant notamment ses tenues vestimentaires, puis son prénom. Depuis, elle est un véritable porte-voix de la communauté transgenre. J'espère que c'est éclairé et intéressant. Merci. D'où ça vous est venu, ce type de prise de parole sur la transidentité ? À un moment, vous vous êtes dit « il faut que je prenne la parole ». En fait, l'hiver dernier, quand j'étais en vacances chez mes parents, j'ai eu une espèce de, honnêtement, de breakdown nerveux, émotionnel. C'était une période où j'étais encore sur des applications de rencontres et je recevais des messages quasiment tous les jours. De mémoire, je me souviens vraiment d'un message que j'ai reçu. C'était quelqu'un qui me disait « prends une lame de rasoir et un bain chaud et vas-y, fais-le ». Et en fait, jour après jour, je ne l'ai plus supporté et j'ai eu besoin de montrer ce qu'on me disait. Donc j'ai créé le compte Instagram d'abord pour montrer et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en plus de montrer, j'avais envie de dire des choses et finalement, c'est vite devenu une vraie vocation, honnêtement. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir créer le contenu dont moi, j'aurais eu vraiment besoin. Ouais. Ça m'aurait évité des tentatives de suicide, ça m'aurait évité du dégoût de moi-même. Il y a aussi le fait de savoir, de voir que tout le monde peut faire plein de petites choses à son échelle et ça peut changer, ça peut bouger les choses. Alors, votre combat, Lexi, c'est aussi contre la transphobie que vous le menez. D'abord, expliquez-moi étymologiquement en fait, ce que veut dire ce mot exactement. Trans, c'est un mot qui est assez simple. Trans, ça veut dire de l'autre côté. Donc la transphobie, c'est cette peur de ce qui dépasse la norme autour du genre. Moi, j'y ai été confrontée à l'université avec des profs qui, quand je leur expliquais ma situation, parce que c'était nécessaire que je l'explique, devenaient tout de suite très froids. Ça prend vraiment un éventail de formes qui surprend tellement c'est varié, en fait. Après une adolescence en proie à de nombreuses souffrances, c'est en arrivant à Paris à 20 ans que Lexi découvre la communauté transgenre et comprend qui elle est. Elle commence alors une transition et découvre l'hostilité quotidienne qui l'accompagne. Honnêtement, même si je suis fier de mon identité, j'ai pris le réflexe de marcher la tête baissée. J'ai déjà entendu que j'étais une bête de foire, j'ai déjà entendu que j'étais un monstre. Ça m'est arrivé dans les transports aussi, juste qu'on me pose une question, qu'on se lève dans les transports, qu'on me toise et qu'on me demande « mais t'es un mec ou t'es une meuf ?» Et en fait, ça peut avoir l'air anodin comme question, mais c'est très intrusif. Bien sûr. J'ai souvenir qu'on m'ait refusé de m'encaisser dans une épicerie, parce qu'on sert pas les gens comme vous. Dans les cabines d'essayage aussi, c'est très courant qu'on me dise non, enfin, les cabines hommes, c'est à l'étage. Ah oui. J'ai souvenir, par exemple, d'aller en soirée, il y avait des groupes de personnes que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Et je me souviens que quand j'arrive, il y a dans un groupe de gens que je connais pas, une personne qui s'approche et qui fait « Ah, alors c'est lui le trans ?» En fait, on n'est que ça. Je suis pas Lexi qui vient en soirée pour, je sais pas, boire un coup et rencontrer d'autres personnes. Je suis la trans. Et après, il y a les groupes où, effectivement, ils se contentent pas de ça. On m'a déjà demandé de me mettre nu pour vérifier ce que j'avais entre les jambes. On a déjà demandé à me toucher les seins pour voir si c'était des vrais. J'ai entendu, peut-être maintenant des centaines de fois, que j'étais belle pour une trans et qu'on n'avait jamais testé une femme trans, qu'on aimerait bien essayer une femme trans. Et en fait, juste le vocabulaire qui est utilisé. J'ai jamais essayé une femme trans, j'aimerais bien. Je suis pas une voiture à essayer.
Je suis une personne. Je pense que le problème majeur de toute façon autour des transidentités, c'est qu'il n'y a pas d'éducation à la transidentité. Est-ce que c'est pour ça, à votre avis, que c'est une constatation de ma part, hein, que les personnes trans se regroupent entre elles? Bien sûr. On a une communauté qui est pas très visible, mais qui est très active, qui est hyper solidaire. Je pense que ça vient du fait qu'on est globalement épuisé, qu'il y a des moments, en fait, on veut juste pouvoir savoir qu'on va aller dans un endroit et qu'il ne va rien se passer de fatigant, de douloureux à vivre. On va rentrer là, si vous voulez bien, on va aller boire un café et se mettre au chaud. Bonjour. Bonjour. En 2019, la violence a franchi la frontière des mots et des individus s'en sont pris à vous, physiquement. Racontez-moi comment ça s'est passé. Je sortais d'un bar pas très très loin d'ici. On était avant minuit. Et à un moment, j'ai croisé un groupe. Je ne sais pas dire s'ils étaient trois ou s'ils étaient quatre. Je sais que c'était que des hommes. Et j'entends, mot pour mot, c'est le mec qui fait la meuf sur Instagram. Parce que sur Instagram, vous avez un compte où vous êtes suivi par une communauté de 30 000 personnes à peu près. Oui. Et donc ces types me reconnaissent et ils se sont mis à me suivre. Et j'ai essayé de courir, mais j'étais en talons. J'ai pas pu courir et ils m'ont mis un coup de pied. Je suis tombé par terre et je suis pas sûr de où j'ai reçu des coups. Je sais que j'en ai reçu dans le ventre parce que j'avais des bleus. J'ai eu le réflexe de me protéger le visage, mais j'ai eu le visage un peu enflé. J'ai surtout eu les mains très abîmées. J'ai posté une photo le lendemain matin de mes mains. Elles étaient toutes égratignées. J'ai encore des cicatrices sur les mains. Je sais qu'ils m'ont traîné. J'avais des égratignures un peu sur les jambes, j'en ai eu sur les genoux. Mais il y a un moment où j'arrive à m'enfuir. Et tout le moment où je suis par terre et le moment où je suis dans l'appartement et où j'envoie un SMS à mon copain pour lui dire « Je viens de me faire cogner dessus, je sais pas comment je suis rentré. » Comment ont réagi vos parents? Ma maman habite en région, donc elle a pas pu voir, elle a pas pu être là. Mon papa, lui, travaille en région parisienne, donc il est venu chez moi. Le lendemain, il est venu porter plainte avec moi. Le fait est que ça n'a pas abouti, parce que je sais pas combien ils sont, je sais pas quel âge ils ont, je sais pas à quoi ils ressemblent, je suis pas sûr qu'il y ait des caméras à cet endroit. Mes parents ont de toute façon peur tout le temps. C'est quelque chose qu'ils disent quand on parle de ma transidentité, ils ont peur tout le temps. En fait, c'est terrible de se dire que moi-même, j'ai pas le choix de subir ça, ça m'arrive. Et que je sais très bien que ça a un impact émotionnel sur tous mes proches et je peux rien y faire, en fait. Sur Instagram, le lendemain, j'ai montré mes mains et j'ai écrit un texte sur le fait que c'était arrivé, que ça arrive, que c'est une question sociale, c'est pas une question d'actes isolés, c'est pas moi qui compte, c'est... voilà. J'ai reçu que du soutien. Il est temps qu'il y ait des mesures prises politiquement, il est temps qu'il y ait des changements dans le milieu scolaire, universitaire, dans les formations en entreprise, il est temps que dans l'accès à l'emploi, on soit plus strict, qu'il y ait une surveillance des discriminations. Il est temps qu'enfin, on nous donne pleinement l'espace auquel on a le droit dans cette société, parce qu'on en fait partie, même si ça ne plaît pas. Moi, je veux juste que mon identité de genre, le fait que je sois une femme, mais une femme trans, ça ne soit plus un sujet. Étienne est lui aussi très engagé pour la cause transgenre, tout comme sa mère l'est à ses côtés. Il sait combien il est important de pouvoir se confier et d'être compris à chaque étape de son parcours personnel de transition. Il y a des personnes trans qui m'écrivent régulièrement parce qu'elles ne sont pas très bien avec leur famille ou bien avec elles-mêmes. J'essaye
de leur apporter le maximum de mon aide. Vous faites partie aujourd'hui d'une association qui accueille, défend les droits de toutes ces personnes, gays, lesbiennes, trans. Il faut savoir qu'on a aussi des droits, on est aussi des êtres humains et qu'on veut juste vivre comme monsieur et madame tout le monde. Donc je milite beaucoup, oui. Moi, je ne cherche pas à être invisible. En fait, je veux justement être visible pour avoir des droits pour la communauté trans. Pour moi, il est inadmissible qu'encore en 2020, une personne trans peut se retrouver à la rue ou même se suicider. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas possible. Mmh. Quel est le profil des personnes qui vous écrivent ? Alors, c'est souvent des personnes mineures. Où la famille n'accepte pas, où parfois les parents disent non, mais on veut pas. Et puis, vu qu'ils sont mineurs, ils ne peuvent pas commencer. Donc, du coup, voilà, ma maman se charge de rassurer les parents. Et moi, je me charge d'écouter comme je peux, parce que bon, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Mmh. C'est très important. Mmh. Bonjour. Ouais. À votre avis, dans le regard des gens, dans cette société ici, ce sont des petits villages, dès que vous avez été confronté au regard des autres, qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard, dans ce jugement ? Alors, on a commencé à en parler seulement quand on s'est senti prêt. C'est-à-dire qu'entre le moment où Étienne nous a annoncé qu'il voulait changer de genre et le moment où on a parlé, il s'est bien passé un an où on n'en a pas parlé. C'est-à-dire qu'on ne se sentait pas suffisamment à l'aise avec le sujet et on ne savait juste pas comment en parler. Mm-hmm. C'est mes amis essentiellement qui m'ont aidée. Je pense notamment à une de mes amies homosexuelles qui m'a dit « Tu ne peux pas lutter contre ce que les gens ressentent ». Et c'est vraiment une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a vraiment permis, je pense, de switcher. Je ne peux pas lutter contre ce que mon enfant ressent. Nos enfants ne nous appartiennent pas, c'est ce qu'on dit souvent. Voilà, on se le répète et puis ça aide. Donc. À 18 ans, Étienne commence un traitement hormonal mais entame aussi une transition sociale. Au lycée, le jeune homme tient absolument à ce qu'on l'appelle par son nouveau prénom et va alors en parler à son proviseur. Je me rappelle, on était tous les deux dans le bureau avec maman. Ouais. On s'est dit que ça serait chouette. Le proviseur, que les profs, ils acceptent de t'appeler par ton prénom masculin. Donc parce que dans l'année, les changements allaient avoir lieu. Ah. Quoi. Donc on a fait cette demande et là, je ne m'attendais pas à ça parce que je me suis dit, tout le monde voit que je souffre, tout le monde voit que je ne suis pas bien. Pourquoi ? Parce qu'il a réagi comment ? Pour moi, c'était assez violemment. Il m'a dit « Non, vous ne pouvez pas faire ça tant que vous n'avez pas changé vos papiers. Vous resterez... » Il a dit mon ancien prénom. « Vous resterez comme ça. » Et point. Oui. On ne s'attendait pas à un refus aussi catégorique et aussi peu dans la compréhension. Quoi. Ouais. C'était moi-même. Je suis sortie, j'étais effondrée. Quoi. Tu pleurais. Je pleurais dans les couloirs. Heureusement. Parce que l'histoire n'est pas restée là. Ah. Heureusement, donc, ma prof principale a pris elle-même la décision, avec l'ensemble des professeurs, de m'appeler Étienne et d'utiliser les bons pronoms. Et ça, c'était vraiment... Ça nous a sauvés. Un soulagement pour moi. Et je me suis dit, je pourrais continuer en tout cas les cours au lycée paisiblement et sans me demander... Comment je vais faire. C'est toujours le fameux petit déclic de dernière minute. Exactement, qui fait balancer. Ça. Voilà. Et merci à ces profs qui se sont positionnés contre leur hiérarchie et grâce à qui Étienne peut aujourd'hui a eu son diplôme, il peut continuer en fait sa formation et ses diplômes. C'est vraiment grâce à elle. Quoi. Et on parle des professeurs, mais alors les élèves de la classe, est-ce que, parce qu'il faut compter avec tout le monde là, est-ce que les élèves jouaient le jeu aussi ou est-ce qu'une partie ne voulait pas jouer le jeu ? Au départ c'était un peu compliqué et on me posait aussi des questions parfois un peu indiscrètes, faut le dire. Alors je remettais en place, s'il fallait remettre en place, je dis non mais là en fait ça touche trop mon intimité, tu peux pas poser ce genre de questions. Mais par contre je répondais à d'autres questions qui étaient un peu plus à ma portée on va dire. J'essayais de les renseigner.
comme je pouvais, sur la transidentité, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, vous avez des collègues de travail. Oui. Pareil, c'est quelque chose dont vous leur avez parlé. Alors, je n'en ai pas parlé, donc s'ils me regardent ce soir, bonjour mes collègues. Ah, vous n'en avez pas parlé. J'en ai pas parlé parce que j'ai ce côté militant très fort, mais je suis quelqu'un de normal dans ma vie et il y a des moments où je peux me outer, où je peux dire que je suis une personne trans, et il y a des moments où, tout simplement, je pense que c'est pas nécessaire. Avant d'avoir le soutien de ses parents, c'est à travers la foi qu'Étienne a trouvé l'apaisement. C'est ici, dans cette paroisse protestante, qu'il s'est réfugié avant d'entamer sa transition. Aidé par Christophe, transgenre lui aussi, Étienne s'est senti libre d'être enfin lui-même. Je vous invite à vous lever. L'église avec un grand E, on va dire ce que c'est. C'est pas hyper ouvert niveau LGBT dans son ensemble. Mais après, moi, je cherche pas forcément un lieu ouvert où il y a une antenne inclusive. Je cherche tout simplement un lieu où on se sent bien, on se sent pas agressé, où il n'y a pas des violences homophobes ou transphobes dites au sein de l'église sous prétexte qu'on peut parler à la place de Dieu. En fait, on ne peut pas être soi-même. Il y a toujours des gens qui vont savoir mieux que vous comment est-ce que vous devez vivre. Il n'y a que quelques personnes qui m'accueillent comme je suis. Et ça, je tiens quand même à rester dans mon église pour montrer que je suis là, j'y reste. Il y a des personnes qui sont différentes et il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, voilà, on est là tous les deux, à des stades différents de la transition, mais on est là. Le fait d'être chrétien et trans, c'est déjà pas commun. Mm-hmm. On n'en rencontre pas partout, surtout à Strasbourg, quoi. Enfin, moi, je pensais jamais tomber sur une personne limite quasiment comme moi, quoi. On va aller voir. On va aller voir le pasteur, on peut discuter avec lui. Hein ? Ouais. Je discute très bien un petit peu avec... Christophe est un pasteur résolument ouvert sur les questions LGBT et il ne comprend pas le conservatisme de certaines églises. Pour moi, on est très très loin de la foi chrétienne, là. Alors on est dans la religion, dans ce qu'elle a de moche. La religion qui dicte une morale, qui utilise des textes comme une arme contre l'individu. Mais cet accueil si ouvert, est-ce qu'il vous a valu certains jugements ou certains commentaires désagréables ? Au début, quand on a communiqué sur le fait que nous voulons être un lieu ouvert, résolument ouvert à toutes et à tous, en nommant la réalité LGBTI, là j'ai eu quelques lettres qui m'annonçaient que j'irais griller en enfer, qu'on priait pour moi, pour que je trouve enfin la vraie foi, enfin des trucs assez surréalistes, et des gens qui se disent alors chrétiens, bien pensants, moi ça me fait gerber des trucs comme ça. Pour être tout à fait franc, pour moi, tout n'était pas tout simple au début non plus. La réalité trans, pour moi, c'était quelque chose de complètement inconnu. C'est pas inné en moi. Mais si pour moi, il y a pu y avoir des questions, des surprises, peut-être certaines formes de malaise aussi au départ, c'était pas pour des questions religieuses, c'était juste dans mes tripes. Parce que je ne connaissais pas. C'est ça qui est beau à Saint-Guillaume, en fait. Saint-Guillaume nous accepte comme on est et on peut parler avec tout le monde. Notre voisine, ça peut être une petite mamie comme un gamin et c'est beau les échanges comme ça, je trouve. Il y a 8 mois, Emma a terminé sa transition entamée en 2009. Avant, elle était un homme qui vivait dans le secret, se travestissant en femme pour être en accord avec son identité, mais aussi pour se confronter au regard des autres. En 2009, vous avez entamé
votre transition. Oui, j'ai fait la partie qui se voit pas, l'épilation des jambes, l'épilation des bras, enfin, du torse, enfin, de quasiment tout le corps. Ça se fait très progressivement. Ces pieds et le visage, par exemple, ça c'est très très long. Ça m'a pris 5 ans quand même. Et en plus, c'est douloureux, c'est très désagréable, très coûteux. Donc voilà, ça c'est toute cette partie-là que j'ai démarré en 2009 et que j'ai fini que cette année. Voilà. En 2017, quand même, vous avez commencé à prendre des hormones. Oui, le premier jour, on a une ordonnance pour aller acheter enfin le produit miracle. Là, pour le coup, j'aime pas trop ce terme de renaissance, mais là, on démarre réellement la transition à ce moment-là. Dans les transformations, il y a eu aussi le laisser pousser les cheveux. Si j'ai eu une greffe de cheveux il y a 3 ans. Ouais. Pour finir l'année dernière avec le. Enfin, cette année plutôt, avec le changement radical, la vaginoplastie. D'accord. À votre avis, c'est plus difficile d'entamer une transition tardivement, comme vous l'avez fait Alors, je pense quand même que oui. Enfin, d'abord parce qu'on s'est installé dans une vie d'homme et que déjà pour soi-même c'est difficile. Ensuite parce que c'est plus difficile dans le changement physique. Moi, la testostérone a eu le temps de faire ses dégâts, évidemment. Même si je suis pas trop costaud, si je suis pas trop grande, pas trop ceci. Malgré tout, c'est beaucoup plus difficile de changer son corps aux entours de la soixantaine qu'à 16 ans. Ah, c'est votre. Voilà, oui. C'est l'une de vos. de mes boutiques préférées. D'accord. Aujourd'hui, apaisée et épanouie, Emma se souvient des premières fois où elle venait faire du shopping dans des boutiques comme celle-ci. Bonjour. Comment entendez-vous ? Ça va très bien. C'était une épreuve, c'était une véritable épreuve. C'était du sport hein, d'aller acheter. En live et je cherchais toujours un prétexte pour dire que c'était pour offrir à quelqu'un. Enfin, je me suis fait beaucoup de cadeaux en fait. Oui, vous y alliez en civil. Oui, au départ, oui. Mais c'est frustrant parce qu'on peut pas essayer, on peut pas. Enfin, on n'est pas dans le. Mais ensuite, évidemment, l'intérêt c'était d'y aller en tant que femme et puis d'affronter encore une situation, d'arriver à s'assumer tout simplement. Ouais. Vous avez une glace ? Ah oui, là. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose De banal. De banal, oui. Trop. Ouais. je me permets un peu d'être un peu dans l'excès au niveau des dépenses, mais je me dis, bon, je me suis bridé pendant longtemps, alors. Tant que je peux le faire, je le fais. Mais d'ailleurs, là, il va falloir que je me calme. Faut pas me laisser trop longtemps ici. Hein. Au moment de son changement de genre, Emma commençait à fréquenter la communauté trans et c'est auprès d'elle qu'elle a trouvé un soutien primordial à cette période charnière de sa vie. On a installé une terrasse à l'extérieur, tu l'as vu ? Oui. Donc du coup, vous avez commencé à agrandir le. Mmh. Vous avez fait un. Ouais. Donc, vous avez une belle vue sur la Seine. Oui. Voilà. Avec ses amis Manon et Scarlett, elle a pu échanger sur ses doutes et ses inquiétudes face à la transition. C'est important de déjeuner comme ça, de se réunir en communauté. Bien sûr, c'est vital même. Pourquoi ? C'est vital parce qu'on confronte nos expériences, ça nous rassure aussi, parce que même si parfois on peut avoir une expérience négative, on a forcément des oreilles. Compréhensive qui autour de nous. Donc non, c'est plus que vital, oui. Pas pour moi, en tout cas. Disons que le fait d'avoir vécu les mêmes choses ensemble, le fait de pouvoir en parler, c'est vachement bien. Par contre, à côté de ça, les rendez-vous, enfin les repas qu'on peut faire, les restaurants, bars, etc., c'est pas forcément pour parler que de la transition. On peut parler du travail, des amis, du reste. De la vie. De la vie, tout simplement. Oui, de la vie, oui. Moi, j'étais dans l'isolement total au départ, donc je rencontrais personne. Et ça m'a fait un bien fou. Enfin,
C'est de sortir du virtuel et sortir de sa bulle, quoi. Vous aviez en face de vous... Des gens comme moi. Des gens comme vous. Voilà. Et ça m'a rassuré aussi sur... les trans ne sont pas des gens si particuliers que ça. Enfin, on a des défauts et des qualités comme tout le monde. Nous, on serait des erreurs de la nature, quoi, voilà. Qu'il faut mettre au rebut, qu'il faut cacher dans un coin et... Alors, ce qui est faux, enfin, c'est... Nous sommes des personnes normales, on reste des humains, on n'est pas des créatures. Oui, voilà, c'est le mot créature. Je pense que c'est quand même vraiment quelque chose qui reste ancré dans l'esprit de beaucoup de gens. Et en plus, en France, on n'est pas spécialement en avance, enfin, on a encore des progrès à faire. On est en avance pour certaines choses quand même, malgré tout. Le remboursement des opérations, la prise en charge, on est même plutôt au-dessus de la moyenne. Et curieusement, par contre, socialement, c'est pas la même chose. Et ça, on a certainement notre héritage judéo-chrétien qui fait que ça bloque encore, enfin, comme dans d'autres pays. On est comme tout le monde. On est comme tout le monde, oui. Voilà. Non, on est mieux. On est mieux. C'est qui ces jeunes gens ? Des amis de... De Camille ? De Camille, oui. Enchanté, bienvenue. Ah, Emma ! Après ce long cheminement pour être enfin elle-même, Emma a décidé d'aider des personnes transgenres discriminées à trouver un emploi. Avec sa collaboratrice Jade, elle recrute dans leur restaurant des serveurs et des cuisiniers transgenres en grande précarité qui souhaitent se réinsérer socialement. Oh, et là, tu as deux commandes de frites. Bon, c'est moi qui les amène. Le milieu du travail, il est très, très difficile. Pourquoi ne pas ouvrir des postes pour des filles, justement, qui ne trouvent pas... Des gens qui veulent effectivement... Avoir un boulot stable, donc why not? C'est une manière aussi de faire découvrir votre communauté, d'ouvrir ce lieu. Bien sûr. Et dire surtout que on est juste des femmes, avec un F majuscule. Mm-hmm. C'est notre combat tous les jours. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a encore quelques années à faire pour dire juste qu'on est né dans un mauvais corps. Après, quand on s'assume, parce que c'est nous, avec nous-mêmes, c'est un grand travail de le faire, il faut laisser les gens vivre heureux. Pourquoi interdire à une personne à être heureuse? Tout simplement. Mm-hmm. Ce lieu, c'est un lieu d'accueil universel. Nous, dans notre concept, on voulait quelque chose de neutre, de sympa, et on a trouvé ce lieu, on est tombées amoureuses toutes les deux. Et malgré tout, sécurisé aussi. Voilà. On est dans un quartier qui est plutôt secure quand même. Enfin, c'est important aussi pour les filles qui viennent, les trans, les travestis, qui se sentent en sécurité, puisque malheureusement, la transphobie est toujours là. Et de venir sans crainte, on a besoin de se débarrasser de la peur. Mais c'est une continuité de notre vie, en fait, ce projet. Ouais. Parce que nous, on n'a jamais été dans le ghetto. Ouais. Donc ici, c'était une logique d'être dans un truc neutre, ouvert à tout le monde. La fête, la joie, le bonheur, l'amour. Avec l'ouverture de leur restaurant, Emma et Jade espèrent normaliser la transidentité. Vous m'entendez bien ? Parce qu'elle a vécu pendant 50 ans enfermée dans la mauvaise identité et dans le secret, Emma prend la parole aujourd'hui pour que sa communauté soit plus visible, mieux comprise et intégrée. Tout le monde est bienvenu ici et c'est l'objectif auquel on tient énormément. Voilà, un petit mot, Jeanne. T'as tout dit, merci à tout le monde, merci aux personnes qui nous ont soutenus depuis tout le début. Oui. Mille merci, passez une bonne soirée, à très très vite. Merci beaucoup. Sandra, music, por favor. Merci beaucoup. Miaou, miaou. Pour la vidéo du jour, j'avais envie de m'écarter un peu des analyses culturelles et historiques pour parler de quelque chose de très concret et d'actuel, le questionnement.
Si j'avais quelques conseils à donner, je dirais 1. De bien concrétiser et de matérialiser ces questionnements. N'hésitez pas à formuler à l'écrit dans un petit carnet ces questions quand on y arrive. Ça permet de ne pas les accumuler intellectuellement et du coup de se perdre dans toutes ces questions. Depuis quelques mois, Lexi partage des vidéos sur les réseaux sociaux où elle effectue un véritable travail pédagogique sur les questions liées à la transidentité et à la transphobie. Ne pas hésiter à demander à essayer de nouveaux pronoms, un nouveau prénom. Elle y combat les préjugés, aborde tous les sujets sans tabou et déconstruit les stéréotypes. Suivie par plus de 33 000 personnes, sa page est devenue une tribune pour les droits des personnes transgenres. C'est pas grave si... Vive le questionnement et à bientôt. Là, vous venez de poster une vidéo. Oui, je parle de questionnement, c'est-à-dire de cette période où on a des doutes sur son identité de genre ou sur quels sont les codes du genre qui nous correspondent vraiment. Et quelles sont les premières réactions que vous avez ? Je vais regarder tout de suite les commentaires. Donc, il y a 11 commentaires. Il y a eu un commentaire de remerciement. Il y a eu un commentaire de témoignage d'une personne qui explique qu'à plus de 30 ans, elle a besoin et elle est en questionnement. J'ai encore eu un remerciement. Voilà. Vous avez certains jeunes transgenres qui vous écrivent en privé pour vous demander des conseils ou des directions à suivre. Assez souvent. Ouais. Que ce soit pour avoir vraiment des renseignements très concrets sur le fait de changer de prénom, en m'expliquant que j'ai fait des posts, mais qu'ils voudraient bien savoir d'autres informations. L'un des souvenirs les plus beaux que j'ai, c'est dans une table ronde avec l'association SOS Homophobie. Il y a une maman qui était là avec son fils trans, qui était au collège, et la maman m'a remercié pour le compte qui aide son fils, mais qui l'aide aussi elle. Et en fait, ce savoir pouvoir être vraiment utile, de façon concrète, pour des gens que je connais pas, je peux rien demander de plus. Je me sens vraiment chanceuse. Vous postez souvent sur la transphobie. Oui. Est-ce que vous avez eu certains retours de personnes trans qui ont subi, elles aussi, des agressions ? Ça m'est arrivé. J'ai assez rarement de retours et de témoignages sur des agressions en commentaire, mais beaucoup de personnes en message privé ouais. Qui réagissent, j'ai subi ça aussi, ou qui spontanément me disent « je viens de subir ça et je ne sais pas quoi faire ». J'essaye de donner les différentes démarches qui sont faisables. J'essaye aussi de transmettre des numéros d'écoute, de groupes de parole, d'associations qui peuvent aider dans des démarches judiciaires. J'essaye aussi, parfois quand on me le demande, de partager des annonces. Par exemple, si quelqu'un, après une agression, a besoin d'un toit, d'être logé, d'être accueilli. C'est l'ensemble de choses que j'essaye de faire. Et puis juste d'être, en fait... une écoute empathique. Vous êtes rencontrés où tous les deux ? Au Louvre. Au Louvre ? Vous faisiez l'école aussi ? Non, j'étais simple visiteur. Et en fait, elle faisait une sorte de présentation, en fait. Et tout simplement, je l'ai vue. Il y a eu un petit moment de coup de foudre, on peut le dire, comme ça. Et je suis venu lui parler pendant, après, et ça s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Vous avez parlé à Hugo directement de votre transition ? Moi, j'en ai parlé tout de suite. Après, on s'est rencontrés à une période où j'allais juste commencer ma transition médicale. On s'est rencontrés quand j'utilisais encore le prénom que mes parents m'ont donné à la naissance. Donc, dès le début, en fait, Hugo était vraiment pris dans toutes les mille et une petites étapes de transition. Voilà. Vous étiez déjà sensibilisé, Hugo, à la question de transidentité ? Oui, plutôt... Bien que j'en ai appris bien plus, en fait, au contact de Lexi, au fur et à mesure, ça se voyait pour elle que c'était vraiment pas simple, et maintenant ça va beaucoup mieux. Le fait que Hugo soit là, soit à l'écoute, c'est l'une des personnes les plus à l'écoute que je connaisse,
clairement, ça m'apaise, en fait, pas forcément pour la transition, mais dans toutes ces petites choses dont on a déjà parlé autour, les regards, la fatigue, c'est une épaule sur laquelle je m'appuie. Mmh. Cette transition, elle passe donc par un parcours médical, hein, mmh. Les étapes donc de chirurgie aussi, oui. Esthétique. Oui. Est-ce que c'est l'ablation de la pomme d'Adam? Est-ce que ce sont les arcades sourcilières? Est-ce que ce sont le nez? Est-ce que ce sont les pommettes? Est-ce que c'est l'avancée des cheveux, en tout cas de la pousse des cheveux? Est-ce que ce sont toutes ces choses-là? Vous avez tous pointé. c'est ça, en fait? Moi, la pomme d'Adam me complexe beaucoup. En plus, c'est un des éléments qui me trahit. C'est très excitant. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose de se dire 25 ans, avoir un visage, il ne va pas dramatiquement changer parce que l'ossature reste la même, hein, clairement. Mm-hmm. Mais il va changer. J'ai en même temps hâte et en même temps, je me dis c'est étrange. C'est quelque chose qui... Mais c'est le cas pour toute la transition médicale que je vis. En fait, je me dis, voir les changements au fur et à mesure, bah, ils sont épanouissants, donc c'est que positif, quoi. Et est-ce que vous avez connu des changements importants de votre physique? Oui. Ouais, déjà, j'ai des seins. Ouais. C'est un changement. Ouais. Les hormones, ça a vraiment plein de conséquences. Les premières, elles ne sont pas forcément visibles. C'est un peu plus de fatigue. Mmh. J'ai eu très, très faim. Vraiment à peu près tout le temps. Il peut y avoir aussi au début des moments où on peut d'un seul coup avoir des changements d'humeur. C'est un peu en fait les mêmes marqueurs que les syndromes prémenstruels pour les femmes cisgenres. Mmh. Et après, y a des changements physiques, le grain de peau s'affine. Moi j'avais la peau très sèche, c'est plus le cas. J'ai les cheveux un peu plus brillants, c'est très agréable. Il y a aussi un boost au niveau de la pousse des cheveux. Par contre, la pilosité corporelle, faciale, elle, s'affine. Il y a aussi la répartition des graisses qui change, c'est-à-dire que ma silhouette a complètement changé, et je pensais avoir pris du poids, mais c'est juste que les graisses se sont déplacées, plus aux hanches, plus aux cuisses. Vivre cette transition aux côtés d'Hugo, est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est important aussi, qui vous renforce, qui vous donne plus confiance ? C'est apaisant, c'est affirmant aussi de savoir que je suis aimée, que je suis valorisée pour ce que je suis, et peu importe ce que physiquement, concrètement, matériellement, il se passe. Il faut comprendre que moi, aucune corporalité ne me dérange, aucune corporalité ne pourrait ne pas me... comment dire? Tu définis, t'en fais pas un truc qui définit voilà, si tu peux être attiré ou pas. Exactement. Depuis toujours. Depuis toujours. Mm-hmm. Ça voilà. Aussi, c'est rassurant. Ouais, mm-hmm. Bah oui. Accepter toutes les corporalités, ça doit être compliqué aussi pour vous par moment, parce que le regard que Lexi affronte lorsque vous êtes avec elle, vous l'affrontez aussi. Ouais, ouais. Ça vous arrive de le sentir, ce regard? Ah oui, bien sûr. Sur nous, sur elle. Ouais. Sur vous, les questions. Gens peuvent me dire en privé quand Lexi n'est pas là, ouais. Qui viennent me voir pour me dire que... Que c'est pas si bien que ça, que c'est étrange, que c'est pas bien, que Lexi n'est pas une femme, que on me pose des questions, pourquoi elle, on m'a posé ce genre c'est de questions. C'est très intrusif, quoi. Hein. C'est très intrusif et c'est vraiment, oui, je le prends très mal, je l'ai très mal pris, mm-hmm. mais au vu du fait qu'on vit en fait en société et qu'on sort et qu'on va faire les courses et qu'on va dans des expos et qu'on marche dans la rue. Et bah ça se passe quoi. Et on fait avec, on est obligé. En tout cas, c'est mieux d'avancer à deux. Oui. C'est plus que ce soit un copain, que ce soit des frères et sœurs, des adelfes trans dans notre communauté. Effectivement, ah. C'est toujours plus facile quand on est plusieurs. Depuis 4 ans, Nathéo se consacre entièrement à sa cause. Tu vois, en fait, j'avais essayé de proposer donc, tout ce qui était en démo. Il a créé l'association Face à toi-même, dans laquelle il emploie d'autres hommes transgenres. Ensemble, ils proposent une série d'accessoires destinés à faciliter leur quotidien. Ouais, ça s'appelle les semelles Prince. Tu connais Prince, le chanteur? Ouais, tu connais? Ouais. Eh ben, il était petit, il mettait des semelles. C'est les semelles Prince ou Tom Cruise.
Dans ce festival LGBT, il partage son expérience personnelle afin d'aider d'autres hommes transgenres qui subissent le regard des autres au quotidien. Mon collègue et moi-même, en fait, lorsqu'on a commencé notre transition, en fait, on ne trouvait pas nos dispositifs pour personnes transgenres post- et préopératoire, parce qu'il faut se rendre compte que pour nous, ce genre de dispositif, donc ça s'appelle un binder, donc c'est un compressif pour la poitrine, c'est primordial, c'est vital, c'est essentiel à un moment. Lorsqu'on n'a pas opté pour la torsoplastie ou qu'on n'a pas envie d'opter pour cette opération, eh bien voilà, donc ça compresse et donc ça nous permet d'avoir un torse plus ou moins plat, tout dépend un petit peu, et donc de pouvoir en tout cas oser sortir et oser continuer à vivre. Tout simplement. Je vous vois acquiescer tous les propos de Nathéo. Bah justement, ce genre d'outils, de produits nous permet de mieux vivre notre transition et de mieux nous sentir dans notre peau par rapport aussi au regard des autres, quoi qu'on en dise malheureusement, quoi qu'on oui, en dise. Oui, parce que vous évoquez le regard des c'est autres. C'est important aussi malheureusement. Est-ce que justement ce type d'accessoire, il est important pour se glisser dans la masse ou aussi pour vous dans la tête Ça dépend de chacun, c'est de chacun. Dans mon cas, je dirais que c'est plutôt social, dans le sens où j'en ai pas besoin en réalité, je ne me sens pas mal du fait de voir, je n'ai pas le besoin de mettre une coque, de mettre ce qu'on a ici, un paquet au quotidien, etc. pour moi-même. Simplement, je pense que socialement, c'est très difficilement acceptable pour les gens d'avoir un homme dans la rue auquel il manque un petit quelque chose. D'accord. Et donc, parfois, quand on est au boulot, qu'on est dans les vestiaires, qu'on se change, simple question de sécurité, on a ça, on se pose pas de questions. On n'a pas d'ennui, on fait notre travail, on est tranquille. Et je pense que tant que la société ne va pas accepter qu'il y a des hommes qui ont des vagins et des femmes qui ont des pénis, on devra continuer à en porter, malheureusement. Parce que le sexe nous détermine encore. Quand on devient, quand on est une femme et qu'on devient un homme, ben on gagne des privilèges, en fait. On devient un homme, on nous regarde différemment, on nous considère différemment, on nous parle différemment. Par exemple, ne serait-ce qu'administrativement, quand j'ai fait mes démarches, etc., à la maison communale pour changer d'identité de genre et de prénom, ça a été très, très laborieux, je vais pas mentir. Ça a pris un an et demi de démarches, d'engueulades, de coups de téléphone. Et au final, au fur et à mesure, que j'ai commencé à passer vraiment, donc vraiment passer en tant que garçon, ben on était plus gentil avec moi, on faisait plus attention à ce que je voulais, j'étais moins dénigré. Je veux dire, en tant que fille à l'époque, j'ai subi le harcèlement de rue, j'ai subi les sifflements. Et de devenir un homme, j'ai encore ces réflexes parfois quand je sors dans la rue, je dis oui, il est un peu tard, je suis un peu dans l'endroit, et puis je me dis mais tout le monde s'en fout en fait. Je marche tranquille d'être un garçon et de sortir dans la rue. Hein. Absolument. On se rend compte à la fois de cette injustice, de ces différences de privilèges que nous on a, et pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas les mêmes privilèges, c'est quoi ce truc. On est juste des individus et on a le droit en tant qu'individu d'être traité avec respect et dignité. Oui. On doit être fier d'être des hommes transgenres, on est unique. Qui peut dire qu'un jour il a transitionné, il est né dans un genre et hop, il est passé dans l'autre? Personne. Donc au lieu de voir en nous des gens qui sont instables, dégénérés, ou je ne sais pas de comment on nous qualifie, non, on a cette richesse de dire, voilà, nous on connaît les deux genres et on n'a pas peur de les assumer. Et c'est ça d'être un homme transgenre. Et moi, je l'affirme, je suis un homme transgenre. Parallèlement à ces changements physiques, Nathéo a entrepris des démarches administratives pour changer d'identité. En Belgique, les politiques œuvrent localement et nationalement pour une société plus inclusive à l'égard de la communauté transgenre. Depuis 2017, il y a une nouvelle loi qui a été mise en place qui s'appelle l'autodétermination. Donc n'importe qui peut passer les portes et dire voilà, aujourd'hui, je décide de m'appeler avec ce prénom-là, donc de changer, et de changer mon marqueur de genre. Et plus personne n'a le droit de nous le refuser à l'heure actuelle. Alors cette loi, Fabienne, vous êtes bourgmestre. Oui, de la ville de Soigny. Voilà. De la ville de Soigny. Mais avant, vous avez été députée oui. aussi. D'où ça vous est venu, cette envie de porter cette loi? Il fallait vraiment pouvoir retirer ce côté suivi psychiatrique, suivi psychologique, etc., pour que ce soit vraiment une démarche beaucoup plus simple et que les personnes qui se sentent mal et qui ressentent le fait de ne plus être en adéquation avec le sexe qui est repris sur leur acte de naissance, c'était important de faciliter les démarches pour pouvoir changer de prénom ou changer de genre. Et donc ça, j'ai eu le plaisir de pouvoir voter cette loi en 2017
en Belgique. Et par après, je suis devenue bourgmestre. Et là, j'ai œuvré pour que ce soit vraiment facile au niveau de notre ville, que les personnes qui viennent au sein de notre institution puissent être accueillies sans discrimination et que les démarches soient gratuites. Patrick, vous êtes, vous, député. Vous portez aujourd'hui un projet de loi entourant le remboursement des soins pour les personnes transgenres. Bon, effectivement, donc ça c'est en projet et on y travaille en tout cas avec Nathéo et c'est vraiment en tout cas la prochaine étape qu'on souhaite atteindre parce que l'autodétermination, je le disais, c'est quelque chose d'important, mais il y a évidemment des soins qui sont très coûteux, des soins médicaux et il faut pouvoir demain aller vers justement un remboursement de ces soins. Il en va du système d'égalité entre les personnes et donc on espère en tout cas pouvoir mener ce nouveau combat et le remporter. C'est un travail de collaboration et puis ce que je voudrais ajouter aussi peut-être ce qui est important en tout cas chez nous, en tout cas avec les certains politiques si je puis dire, maintenant ici effectivement, c'est surtout l'accessibilité, on peut leur parler, ils savent de quoi on parle, ils nous écoutent et ça je pense que c'est important et je pense que c'est essentiel et on y va et on va faire bouger les choses, que ce soit au niveau communal ou que ce soit au niveau effectivement fédéral, enfin chez nous ça s'appelle le fédéral, je veux dire il y a moyen de faire en sorte que chaque personne trouve sa place et se sente bien et je pense que c'est vraiment ça. Le combat aujourd'hui, quoi. Parce qu'il a décidé de rendre plus visible la communauté transgenre, Nathéo a organisé une exposition photo à destination du grand public, mais aussi à destination des plus jeunes. Ici, nous avons Antoine, un des plus jeunes. Il a quel âge, Antoine ? Antoine, il vient d'avoir 18 ans et il vient de commencer sa transition. Et sa maman a... À travers ses différents portraits, il redéfinit la frontière du genre. Nous avons Nora, qui est également sonégienne, qui est voilà, une personne extraordinaire et qui fait aussi partie de l'association et qui s'occupe avec Angélique des ateliers de féminisation, puisqu'elle est esthéticienne. Donc, d'accord. Voilà. Puis Angélique, bien entendu, qui s'occupe de l'association avec moi, donc l'association pour l'accueil des personnes transgenres, et qui est un de nos modèles. J'aime bien la photo, donc. Alors, ce projet, tout d'abord, une exposition de visages de personnes trans. Oui. Quel message vous voulez délivrer Alors, on attend tout un public, le Kidam, comme j'appelle la société, qui vient de voir cette exposition, pour se rendre compte que les personnes qui sont mises ici en avant, mais on peut les croiser dans la rue sans se douter un seul moment que ce sont des personnes transgenres. Et c'est vraiment ça le message que je vais porter, une visibilité positive. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais que cette exposition soit également un outil pédagogique, donc que les écoles soient invitées et qu'on puisse parler de la transidentité dans les écoles. Parce que je suis persuadé que c'est en parlant aux enfants et aux adolescents, surtout principalement, qu'on peut faire évoluer en tout cas les mentalités. Moi, je veux montrer justement, en faisant des photos de moi, que ben, j'ai envie d'aider les autres personnes, les autres filles trans, de se dire, voilà, moi aussi, je peux être cette personne-là. Moi aussi, je peux devenir moi-même. C'est une reconnaissance aussi de se retrouver de l'autre côté de l'objectif et de voir ce portrait et de se dire, finalement, ce rêve qu'on voulait tellement atteindre, ben, c'est là, il est devant nous, on peut plus le nier, il est là. Et c'est très compliqué finalement de poser devant un objectif parce que je ne me reconnais pas toujours en fait. C'est bien vous pourtant. Il paraît, oui. Mm-hmm. Il paraît que c'est bien moi. Mais je me dis aussi que si ça peut donner espoir et se dire, écoute, si ce gars-là a 47 ans et il y a été, peut-être que moi je peux y aller aussi, que je le mérite aussi. Donc que moi aussi, peut-être que j'ai le droit d'exister. Et c'est vraiment ça que je veux porter comme message. Après des années de souffrance et une longue quête identitaire, Emma, Lexi, Étienne et Nathéo sont désormais libres d'être eux-mêmes. En prenant la parole, en luttant contre les préjugés, ils ne changent pas seulement leur destinée, ils ouvrent la voie à d'autres transgenres. Chacun à leur manière, par leur courage, leurs actions, ils incarnent une société nouvelle plus juste et plus tolérante.